Voilà, bandeko batali ya tindika tindika television matondo mingi esika nyonso bozo kotala émission na bino topé mopanzi sango oyo bosepelaka mingi na kombo ya Georges Papi Kamwasi. Depuis na uti na mikili ya poto ezali mbala ya liboso na leka na Kinshasa pona kopesa bino oyo ezalaki bongo quintessence topé résumé ya oyo touti komona na mikili ya poto autorité qu'on représentait valablement chef de l'État. Et c'est qu'Oyo Excellence, son Excellence Eteni Longondo, ministre d'État et Santé, a qu'il y a bon qu'on l'a qui sa boni boni Congo et Ali pe prêt y'a qu'on participe na au Italie que l'on la bokono y'a sida, tuberculose, na paludisme, ou bien la malaria. Babeng sa ki mokonzi amboka, ne mokonzi amboka tinda ki Otobengi, son Excellence Eteni Longondo, ministre de la Santé. Tokoloba mingi te, parce que bokota la boni boni, mboka Congo ekomaki négligé, bachaki biso mingi mingi na mukila, tope na suka. Mais mokonza mboka lobi te, tokomaka yoka kolela ya mwana, yoka kolela ya mwana. Fachi beton, alobi Congo et kolongwa na niveau wana photo kota na kati ya conseil concert de grands concert des nations tout la chose pour considérer to redorer image ya Congo oyo a perdre ba mikolebele bomoni boni boni pouvoir eleki 18 ans milelo na milelo pasi na pasi. Boni boni fatia lobi non to changer ma solo. Botala ndenge ba pesi confiance na son excellence Eteni Longondo. Ou ayeko représenté chef de l'État valablement ba pesi cortège ba moto ya président Macron et sali cortège ya président ya son excellence Eteni Longondo et à part ça na participation na biso to pesi 6 millions de dollars américains to bimi loko la deuxième na Afrique to ye na sima ya Nigeria oyo elonga to elonga te soki to lobi fachi beton to bimi ngambu eza slogan te eza bongo réalité na lingi bongo ba image to bilili éprouvé et ça là musala nango na complicité to pe elongo na otobengi papa na zéro chako to bosanité piscas leona osa na ba caméra mibale botala kokota ya excellence Eteni Longondo boni boni bayambie na discours apesi na kolobate bota la bino moko na tindika tindika. Regardez. Personne ne peut expliquer avec plus de force que Amanda vient de le faire l'importance de votre présence, de votre engagement et de ce que nous devons faire. Parce que il y a dans tant de pays des jeunes qui, comme Amanda, sont sous traitement, ont besoin du traitement, ont besoin des actions aussi à côté du traitement pour pouvoir avoir une vie normale. Au fond, ce qui nous est demandé, c'est pas d'aider, c'est pas, ça a été parfaitement dit, d'avoir des bénéficiaires, c'est pas de la charité, c'est de décider d'investir contre des injustices. C'est ça le combat.
Here to speak on their behalf is His Excellency Dr. Etienne Longondo, Minister of Health. Excellency Longondo. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectives. Au nom de Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, le Président de la République démocratique du Congo, je voudrais avant tout remercier officiellement la République française, le Fonds mondial, pour l'initiative de cette conférence. J'adresse le même remerciement à la ville de Lyon pour son accueil chaleureux. Mesdames et messieurs, l'amélioration de la santé des populations constitue une priorité majeure pour mon pays. À ce titre, la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme se trouve au cœur de l'action politique portée par Son Excellence le Président de la République, dont l'engagement à investir dans la santé et le bien-être des populations demeure ferme et constant. Des efforts considérables ont été fournis dans la mise en œuvre des interventions. Ceci a permis d'engager quelques résultats considérables pour le bénéficiaire final, notamment la réduction de mortalité due au VIH et au paludisme, l'augmentation remarquable du taux de succès thérapeutique pour la tuberculose. Sous le leadership du chef de l'État de la RDC, le gouvernement s'employera à consolider cet élan, à capitaliser les acquis, en l'occurrence au moyen du renforcement de notre système de santé, l'implémentation effective de la couverture sanitaire universelle avec plus d'allocations de ressources domestiques dédiées à la lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose. C'est pourquoi la RDC s'engage solennellement à contribuer un montant de 6 millions de dollars américains au Fonds mondial. Je vous remercie. Bon, mon première partie à l'émission Nabiso. Et c'est un mingi na ba nyon se badan la kati ya mikili ya poto. O ba kipe ko yamba biso. Et na rokanisa na Marie Meta, na Maître Donan. Et pourquoi pas na Roger Mutombo. O ba kipe ko assiste biso na a partir ya mikili. Bota la deuxième partie. Ndengenini Eteni Longondo. Baza ko lukaye na bikolo ebele. Basola nae. Isaki lokola président, comment dirais-je, ministre du développement britannique. Isaki lokola mindele ebele ebele baza ko benga de part et d'autre. Bota la considération. Awa commenter les athées. Bilili et le bayango moko. O ba le bagana le poto que les images parlent d'elles-mêmes. Bolanda. Pour le Fonds mondial. Vous savez, le Fonds mondial, c'est parmi les grands bailleurs de fonds chez nous avec l'USAID. Et le Fonds mondial finance les activités par rapport à la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Alors, c'est pourquoi je suis venu représenter le gouvernement et aussi pour
parler, partager le résultat que nous sommes en train de faire au Congo par rapport à la baisse de l'incidence de malaria, à la baisse des taux de mortalité, ainsi de suite. Mais ce que je suis venu faire aussi, c'est faire une déclaration par rapport à notre contribution. C'est-à-dire, cette année ou l'année prochaine, nous allons contribuer à la hauteur de 6 millions de dollars au Fonds mondial. Il y a eu des pays africains qui ont aussi emboîté le pas pour contribuer. Il y a par exemple le Burundi qui a contribué de 1 million de dollars, le Kenya 6 millions aussi, et puis d'autres pays 1 million, 1 million. Alors maintenant, le Congo va contribuer à la hauteur de plus ou moins 6 millions de dollars pour les années qui viennent. C'est encourageant pour le Fonds mondial. J'ai rencontré quelques personnalités de cette institution qui nous ont encouragés au Congo et surtout qui nous ont encouragés par rapport aux résultats positifs que le Congo est en train de montrer à la face du monde. Et comme je l'ai dit avant, il y a la mortalité par rapport au paludisme qui a baissé sensiblement, la mortalité par rapport au VIH qui a baissé aussi sensiblement, et puis il y a une grande couverture pour le traitement au niveau de l'étendue nationale. Donc voilà le message que je suis venu apporter pendant ces grands concerts de nations, et nous pensons que le Congo se réveille petit à petit. Vous avez vu, vous avez été avec moi, et c'est le président de la France, le président Macron, qui était l'homme orchestre qui a appelé le pays à contribuer. Il y a des pays qui ont contribué à la hauteur de 1,5 milliard. Et les États-Unis, je crois qu'ils ont contribué à la hauteur de 1,5 milliard. Et puis il y avait aussi l'Angleterre, et puis il y a la France aussi. Et il y a des pays scandinaviens qui ont aussi contribué, et les pays africains. Et nous avons aussi vu quelques organisations privées, par exemple Bill Gates, qui a aussi contribué. C'était plus de, je crois que si je me rappelle, plus de 1 milliard aussi. Et d'autres organisations privées du monde entier. Il y a Rockefeller aussi qui a contribué. Donc voilà ce que j'ai retenu, et je crois que sur les 14 milliards, le président Macron avait dit qu'on ne peut pas quitter Lyon sans qu'on puisse atteindre ce montant-là. Et nous pensons qu'il y a quand même de bonnes volontés. Par exemple, il y a le Japon qui a augmenté sa contribution. Il y a d'autres pays aussi qui ont pratiquement triplé leur contribution. Et tout cela, ce que je peux dire, c'est pour le bien de pays de tiers monde, donc nos pays. Mais aussi, c'est que je dis, on ne peut pas toujours être de pays qui dépendent des autres. C'est-à-dire, il faudrait au moment donné, je demande aux pays africains et à mon pays, le Congo, de prendre nos responsabilités pour qu'un jour nous puissions nous prendre en charge. Et c'est ça, ce qu'on appelle la responsabilité. Alors, pour cela, moi je crois que nous devons, en tant que Congolais, commencer déjà à nous remettre à cause par rapport au développement de notre pays. Il faudrait vraiment, comme il y a un changement au niveau du gouvernement, nous avons un nouveau gouvernement avec un nouvel élan, avec M. Ilunga, nous avons un nouveau président de la République, il y a un vent de changement. Et il y a cette opportunité-là qu'il ne faut pas lâcher. Je demande au Congo, à tous les Congolais, de prendre cette opportunité en main pour que notre pays commence à changer petit à petit. Vous voyez, quand j'ai annoncé les 6 millions de dollars, ça ne s'est pas fait avant comme ça. Mais tout le monde a applaudi, on nous a encouragés. Et c'est déjà très bon pour l'image du pays. Donc le Congo, c'est un éléphant qui est en train de se remettre debout. Voilà, il faudrait, en tant que Congolais, qu'on puisse sauver l'image du pays. Et ça commence d'abord au Congo. Il faudrait que les Congolais puissent être fiers de leur pays et que nous puissions
c'est un grand pays. Nous devons travailler pour ce pays-là. Et aussi améliorer notre image dans le concert du pays. Nakanisi Bosepeli, Bomoni Babeteli Pe, Excellence Maboko, Bomoni participation naye, Boyoki ba déclaration naye à Sali, Moussou tape dans le poto, mais je crois Bolandi. Parce que Congo est un pays francophone. Son Excellence a soit qui wanate, Baminganga, oh, parce que bon, on a mikili ya poto, donc la diaspora, balobi, non, boni, ministre des tutelles, il y a santé, aye awa, tout mon a été. Nde ba invita qui est quelque part, na café coco, na kati à Paris, tout kene pe ko accompagner, bota la nenge le kaki, ba passi na bango, ba préoccupation na bango, nyons, ba pesse ke pa excellence, pe, a pesse ke bango, ba réponse moko, positive pe basepela ki nango soki nzambe asungi soki bayokani kitoko bokomona minganga wana badala expertise to pe badala misala pe na maboko pe avec experience ba royal na Congo ko salisa mboka na bango na place ko bikisa ka mindele ba pe ko bikisa ba na Congo badala besoin ba soin ya solo po ba bika monene na kati ya Congo botala ba image toujours na complicité ya papa na zero non na botite na piscas yepe na moni na na botite botala. Merci à tous d'être venus répondre à cette invitation lancée par l'AFMED. Nous recevons Son Excellence le docteur Eteni Longondo, ministre d'État de la Santé publique. J'insiste sur ministre d'État. C'est la première fois que dans notre pays, le ministère de la Santé est un ministère d'État. C'est pour montrer toute l'importance qui est accordée au cours de ce mandat. Pour la santé publique dans notre pays. Vous êtes tous acteurs de santé et vous connaissez l'état de notre système de santé. Mais aujourd'hui, nous avons un de nôtres, membre de l'AFMED et de la génération actuelle de l'AFMED, qui est aux responsabilités. Et nous avons voulu le recevoir ici pour lui montrer notre attachement à notre pays et que nous sommes tous prêts à l'aider dans cette tâche immense et combien âpre qu'il attend. Parce que le système de santé publique en RDC est un cancer avec plusieurs métastases. Même si vous attaquez le foyer primitif, mais les métastases, vous aurez du mal. Mais je peux compter sur lui. Nous pouvons compter sur lui. Nous qui le connaissons de près, nous savons que c'est quelqu'un de déterminé et surtout de très posé, qui ne fait pas de choses au hasard ou à la hâte. Je lui ai demandé expressément parce qu'il est venu assister à la conférence des donateurs du Fonds mondial pour la lutte contre le paludisme, le sida et la tuberculose. Et il devait rentrer à Kinshasa à partir de Lyon. Je lui ai dit, il faut venir à Paris voir tes frères, voir tes condisciples et tes amis de l'AFMED qui sont prêts à t'aider. Et il a accepté. Il m'a posé comme une condition, viens me chercher à Lyon. J'ai dit pour ça, bon, je prends le train, je suis allé le chercher à Lyon et nous sommes venus ici.
Alors, sans trop tarder, je voudrais laisser quelques minutes à notre président, le docteur John Siala, qui représente l'AFMED, de dire un mot et de laisser la parole à son excellence, le docteur Eteni Longondo. Et pour nous les intimes, c'est le docteur Das. Donc, aux médecins de la diaspora, j'ai déjà dit merci d'être là. Cela démontre votre attachement à notre association. J'aimerais plutôt m'adresser à son excellence parce qu'on n'a pas l'occasion de le voir souvent. Ça ne fait pas longtemps qu'il est au pouvoir. Son excellence, on a déjà discuté un peu. Nous avons la même vision. Votre projet pour la RDC est exactement le projet que nous avions eu depuis 3 ans et pour lequel nous travaillons. Il y a beaucoup de médecins congolais éparpillés dans les 5 continents qui ont acquis des compétences dans leur domaine et qui sont prêts aujourd'hui à rentrer au pays pour aider les nôtres, pour améliorer la qualité des soins dans notre pays. Il ne manquait que la volonté politique. On ne vous demande pas de l'argent, on vous demande surtout que vous nous soutenez dans ce projet-là pour que ceux qui sont prêts parmi nous puissent rentrer et trouver, comme vous l'avez dit vous-même, des conditions qui soient acceptables. C'est le seul message que j'avais à passer aujourd'hui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bon, je voudrais rectifier quelque chose. Il y a le confrère Rémi Lepria qui a dit ici publiquement que je lui ai posé comme condition avant de venir me chercher. C'était pas une condition, c'était juste parce que je n'étais pas sûr que je devais venir ici. Et on avait déjà un plan auparavant. Il devait venir me voir là-bas pour qu'on discute des autres choses qu'on est en train de faire avec lui. Et il est venu, bon, nous sommes revenus ensemble, voilà. Donc, je vous remercie pour votre accueil chaleureux. Et si je suis là, c'est pour solliciter votre appui en tant que Congolais. Je sais que je ne le sollicite pas, comme le président de l'AFMED l'a dit ici, qu'il y avait déjà un projet dans ce sens. Le pays gaspille à peu près 20 millions de dollars par an, je dirais même 25 millions de dollars par an, pour transférer les malades à l'étranger. Alors il y a quelques semaines, j'ai pris une décision de stopper cela progressivement, selon le cas. Alors je me suis dit, je vais me référer aux confrères et consoeurs qui sont à l'étranger, qui sont devenus des grands spécialistes, parce que vous n'avez rien à envier aux spécialistes français ou américains. Vous faites preuve de vos expériences déjà. J'ai parlé avec certains d'entre vous qui posent des actes de chirurgie qu'on ne pouvait pas croire il y a 20 ans qu'un Congolais peut le faire. Aux États-Unis, j'ai parlé avec un grand professeur de cardiologie, malheureusement qui est retraité maintenant, qui ne travaille plus aux États-Unis, mais qui n'attend qu'on puisse mettre des conditions au Congo pour qu'il revienne opérer, pour qu'il revienne enseigner au Congo. Et par rapport à ça, je crois que ce que je peux vous dire aujourd'hui en tant que dirigeant de ce secteur de santé en République démocratique du Congo, nous sommes en train de faire tout pour que les conditions soient remises au Congo et vous permettre ainsi de rentrer et de travailler au Congo en tant que spécialiste. «
C'est une vision que nous avons et qu'on va bientôt accomplir. Parce que j'ai déjà pris des contacts au niveau du gouvernement, j'ai déjà pris des contacts au niveau externe, à l'extérieur, pour que nos partenaires puissent venir au Congo et nous aider. Nous avons déjà des plateaux de, je crois, le 4 labs, comme on le dit en anglais. C'est-à-dire c'est un plateau qui est déjà au Congo, à l'hôpital Ngaliema, qui est un hôpital public, pour permettre à ce que nous puissions déjà, à notre niveau, opérer, faire des chirurgies thoraciques et des chirurgies cardiaques. Nous avons déjà ces plateaux-là et moi-même, je les ai visités. Il y en a 3 maintenant au Congo. Mais ce qui nous manque, ce sont des spécialistes. Et ces spécialistes-là, il ne faut pas penser que nous les aurons à l'étranger. C'est-à-dire, ils ne seront pas des étrangers, mais ce sont des Congolais nous-mêmes. Nous sommes en train de connaître un changement dans notre pays, et vous le savez. Le premier changement est intervenu avec le changement des dirigeants de nos pays, de notre pays. Nous avons un nouveau président et nous avons un nouveau gouvernement qui a commencé déjà à travailler. Et moi, je fais partie de ce gouvernement-là. Nous devons changer de choses au Congo. Le Congo fut une référence dans le secteur médical, vous le savez. On vous dit toujours qu'au Congo, il y avait à l'époque des gens qui venaient de l'Afrique du Sud et des autres pays africains et européens pour se faire soigner au Congo. Je crois que notre génération ici, quand on était étudiants, nous avions étudié avec beaucoup d'étudiants étrangers au Congo. Donc le Congo a formé beaucoup de médecins au niveau international. Mais pourquoi, avec votre appui, nous ne pouvons pas faire en sorte que nous puissions reprendre notre rang en Afrique et au monde par rapport à la médecine? Je crois que nous devons saisir cette opportunité où, au niveau politique, nous avons une volonté politique déjà. Ça, je vous l'ai dit. Partout où le président de la République passe, il ne cesse de parler de la couverture sanitaire universelle. Il tient beaucoup à la santé des Congolais. L'être humain ne peut pas développer son environnement quand il est en mauvaise santé. Ici, je parle de la santé physique, mentale et ainsi de suite. Vous êtes sorti du pays. Vous avez acquis certainement des expériences, des pays qui sont plus développés que nous en médecine. Et en tant que fils de ce pays-là, vous devez vous poser la question: qu'est-ce que je vais faire pour mon pays? Nous sommes d'une génération, je crois, où nous avons bénéficié des études et nous n'avons même pas payé un likuta. Au contraire, c'est l'État qui nous donnait la bourse. À cause de problèmes économiques, politiques, nous sommes tous sortis vers les années 90. Et maintenant que nous avons la paix au Congo, nous avons une volonté politique de changer le pays. Nous devons penser à notre pays. Nous devons penser aux compatriotes qui sont restés là-bas. Nous devons penser aux enfants qui souffrent. On peut le faire d'une manière volontaire, et c'est ce qui se fait avec votre organisation AFMED, je crois. Mais nous, en tant que responsables de ce secteur, comme je vous ai dit,
Nous devons créer des conditions qui vont vous permettre de rentrer et travailler. C'est ça notre responsabilité. Mais de votre côté aussi, vous avez une responsabilité en tant que Congolais de contribuer au développement de ces pays-là, dans votre secteur. C'est pourquoi vous me voyez ici aujourd'hui vous parler. Vous demandez en tant que Congolais de penser à votre pays, de penser aux enfants de votre pays. Venez, nous allons travailler ensemble. Et cette fois-ci, je crois que c'est une opportunité qui s'offre à nous tous. La première fois qu'un président a quitté le pouvoir sans qu'il y ait une guerre quelconque ou sans qu'il ne soit tué. C'est une opportunité. Saisissons-la pour que notre pays puisse aller de l'avant cette fois-là. Je ne parle pas seulement du domaine du secteur médical. Il y a beaucoup de secteurs qui doivent être développés dans notre pays. Mais nous vous promettons, en tant que gouvernement, conduit par le professeur Ilunga, que nous sommes déterminés à travailler autrement. Cette fois-ci, nous allons penser aux Congolais. Tout ce qui s'est passé dans le système passé, je crois que maintenant, on s'est mis d'accord pour aller de l'avant et de faire en sorte que toutes les filles et les fils du pays puissent bénéficier des ressources que nous allons produire. Donc c'est un changement, c'est un élan nouveau que nous allons donner au pays et nous demandons votre appui et nous demandons l'appui de toute la population congolaise. Donc ensemble, nous allons faire avancer ce pays. Je parle avec beaucoup de spécialistes dans beaucoup de domaines. Je crois qu'aujourd'hui, le Congolais, le médecin congolais, ne sont plus complexés. Quand nous arrivons à ouvrir les cœurs, c'est-à-dire à opérer au niveau de cage thoracique, à réparer le poumon, le cœur, ça c'est la sommité de la médecine. À faire des interventions au niveau de crâne, c'est la sommité de la médecine. Et il y a nos fils congolais qui les font. Revenez au pays, formez vos compatriotes, soignez vos compatriotes qui souffrent là-bas. Je crois qu'au niveau des conditions, comme je vous ai dit, on pourra réfléchir. Est-ce qu'il faut que ça soit un bénévolat, il faut que ça soit un contrat. Tout ça, nous allons mettre le moyen, ça je le dis. On va mettre le moyen pour que finalement le Congo ne puisse pas perdre plus de 25 millions par an pour des transferts qui sont parfois des transferts bidons. Les gens qui viennent en touriste en Europe, les gens qui vont en Inde en touriste, tout ça, on va mettre fin à ça progressivement. Bientôt, nous aurons des plateaux techniques, de greffes, des plateaux techniques dans tous les secteurs au niveau de spécialité en médecine. Et nous allons reprendre notre place dans le échiquier mondial. Je vous remercie. Matondi mingi na bino batubotali émission oyo dalaki lié na santé. Boni chef de l'État, son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine ami pesi corps et âme. Botari ba betele biso maboko to longwe na kolela ya mwana ko senga ba mbongo na mikili ya poto sikoko biso to boniko participer. Mais 6 millions oyo RDC a doko pesa fachaza maele makasi e ko songela pe biso. Parce que, si on parle de pays à tiers monde, il y a des problèmes.
Donc, kaka misolo to pesi, tamba kontala ba peyini o malaria ko atake makasi, sida, tuberculose, ba mikili ya poto, koto zosu na biso ekozongi na peka kabiso moko, ekosali sa ba imboka o banan ba problem liye na sante, na tuberculose, sida, et pourquoi pas malaria. Yango to lobi ke fachi, beton, armé, ekochangete. Maman Christine Pinda, merci maman Antoka Yembe, merci na assistance Nabino, merci na président Chims, merci na combattant Trésor Bino tout Oyo, Boyambaki Biso na Mikilia Poto, Tozong Selibino, Matondo, Mingi na Mikilia Poto. Tosuki Siawate, Tozako ya pour le ministère de la Santé, Misala Eza Ebele, ba voyage pe, Eza Ebele. Merci Nabino Nyonso, merci na excellence Eteni Longondo. Oyo a pensé qui comme m'appelle biso na mikili ya poto poto accompagner valablement tokei pe tozongi donc toza pour un service ya nation pour un intérêt général. Merci et à la prochaine occasion.